Oh, j'ai failli me prendre l'arbre. Ça va. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo au bike park à côté de Limoges, donc le single tracks bike park. Il est 5h30 et on est dimanche, après une semaine de boulot, faut se lever pour aller rouler. Et ce matin, ils avaient prévu du beau temps et puis il pleut, ça me fait tellement chier. Donc voilà, donc là j'ai 3 heures de route pour y aller, on retrouve les copains là-bas, let's go. Ici Albert Reporter. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale puisque je suis au Single Tracks Bike Park de la Jonchère. Donc on est dans le 87 au nord de Limoges. Et le propriétaire David, merci à lui, me prête un des vélos de location qu'ils ont reçu récemment. C'est les tout nouveaux Commensal Furious. Hop. Donc là on va être sur le montage un petit peu entrée de gamme. On va avoir une RockShox Boxer en 200 mm à l'avant. Le nouvel amortisseur de chez RockShox, le Super Deluxe. On va être sur une transmission SRAM X7 pour le dérailleur arrière. Le shifter SRAM X5. Et le pédalier E-Sirstein. Je ne peux pas vous dire quel modèle. Pareil avec l'anti-dérailleur E-Sirstein. On va être sur des roues Alex Rims. Et des pneus Maxxis Mignon DHR2. En section 27.5 × 2.40. Le freinage c'est des SRAM Guide, donc voilà, donc il me le prête, il me fait totalement confiance, donc merci à lui, il me le prête pour que je donne mon avis sur ce vélo là et puis que je puisse me faire mon propre avis. Donc le cadre est en alu, les roues c'est du 27.5, puis les passages de gaine sont internes, bien sûr, ce qu'on trouve de plus en plus sur les vélos maintenant. Donc voilà, moi le seul petit truc que j'aime pas trop c'est le cadre ici qui ressort, enfin le tube de sel qu'ils ont fait exprès de le faire ressortir comme ça. On voit même le tube de sel qui est ici. Donc voilà. Et ce que vous voyez en blanc par-dessus, c'est ce qu'ils ont mis pour protéger le cadre et la peinture. Parce que ça reste des vélos de location. Donc ils essayent de les protéger au maximum. Voilà, bon bah il y a un petit peu sale, désolé. Hein. Puis là on va avoir la protection de sabot là qui protège contre les impacts de pierre. Donc voilà, donc je vais vous tester ça tout au long. Vous allez vous partager avec moi ce test du Commensal Furious. Oh bah impeccable, merci. Du coup je te vois que t'as pris. Merci. Bon. Alors, on va tester ce petit Furious. Tes premières impressions? Bah attends, j'ai pas encore roulé. Il a eu se poser sur le cul. Oula.
un peu de pull, le cadre du vélo. Bah je pense qu'il a pris, mais c'est pas grave. Non mec, regarde, il est arrêté par mon pied. Non, il a pas pris. Le remonter. Ah bah non. Non, par contre, une belle rigueur sur la tige du boss, ça pourrait être intéressant. Mec, tu me fais tomber ton vélo dessus et... Ah la tête du mec. Ah la tête du mec, quoi. Déjà qu'il marche pas encore bien, alors. Pardon. Des petits guides. Ouais. Merci. Je t'en prie. Ouais. Il fait moins mastoc que le... Il fait moins mastoc que le gambler hein. Ah ben ça c'est sûr. Il fait beaucoup plus... Franchement j'ai raison. Enfin tu nous diras des impressions de toute façon. Mmh. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along to see us true. But the road is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California. Trying to make it a life, the school that never taught ya. Dreams of my own, I've been working from home. I can do it on my own, but sometimes it gets cold. Mon dieu, ma cuisse. Oh, j'en peux plus de cette cuisse. Ah. Elle te lance ? Ah, grave. Ouh. Tu vas faire une pause ou on descend sur le cul ? Oh non, je vais faire la descente à fond et puis après je me pose. Là, je le reconnais. Tu vas bon ? Hop, donc voilà, petite session avec le Commensal Furious. Qui a été gracieusement prêté par David, propriétaire de Single Track by Park. Donc voilà, donc si vous voulez, c'est leur vélo de location. Tout est disponible, toutes les informations que vous souhaitez sont sur le site que je vous mets en description de la vidéo. Et puis voilà, donc un grand merci à David de me l'avoir prêté. David, je te l'ai bien lavé pour essayer qu'il soit potable. Et puis bon, bah merci à tous et puis à la prochaine. Ciao. C'est pas le mien donc. En même temps, il y a pas peur, hein, tu sais, quand tu nous dis un vélo, t'as envie de faire ça.